Notre pays investit de plus en plus dans tout ce qui est dans le domaine de la recherche en énergie renouvelable. Beaucoup de plateformes sont déjà créées en la matière et d'autres plateformes sont en cours de création et de mise en place. Et l'Institut national de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, qui est la plateforme centrale, anime pas mal de laboratoires qui sont impliqués dans cette recherche. Aujourd'hui, on a décidé donc de rapprocher l'Institut à l'école, parce que l'école il vient d'obtenir donc l'acceptation de faire des recherches dans le doctoral. Donc on a poussé à ce qu'il y ait donc une parfaite collaboration entre l'Institut et l'école en la matière. Comme vous remarquez bien sûr que nous ne sommes pas contentés donc, de produire l'électricité émanant des énergies renouvelables. Notre pays est allé plus loin, c'est de développer la recherche en la matière et au-delà de ça, c'est de développer une industrie dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc déjà, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Industrie pour qu'on puisse créer l'écosystème qui favorise l'investissement dans le domaine industriel qui concerne les énergies renouvelables. Donc la recherche est un pilier essentiel dans le développement de l'économie verte, le développement durable et le développement des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers et honorés de signer une convention de partenariat entre l'École nationale supérieure des mines de Rabat et l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, avec comme objectif de consolider la coopération et le partenariat dans le domaine de la recherche appliquée autour de sujets importants pour notre pays, la digitalisation dans le secteur de l'énergie, la gestion de l'énergie, la valorisation des matériaux, les systèmes et les process thermiques, donc plusieurs sujets importants, avec un objectif de consolider, de développer des projets structurants, des projets de recherche appliquée et d'innovation structurants pour notre pays, et aussi développer des infrastructures de recherche et des laboratoires conjointes qui vont servir justement à accompagner la dynamique et la transition énergétique au niveau de notre pays et au niveau de notre continent. Aujourd'hui, on vient de signer une convention de coopération et de recherche avec l'Institut de recherche en énergie solaire et des énergies nouvelles. Cette convention, c'est un départ ou c'est un élan pour démarrer la recherche au sein de l'école. Comme vous savez, l'école vient d'être accréditée pour délivrer des diplômes de doctorat d'État. Donc cette convention, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. C'est une convention qui va servir pour développer la recherche au sein de l'école dans le domaine de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Donc on a déjà des labos qui travaillent dans ce domaine. Ça sera un plus pour nos chercheurs de travailler dans ce domaine qui est essentiel pour le développement de notre pays. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.